On va voir le point suivant du chapitre, c'est le point 10, et c'est la valeur Z et son utilisation dans les bus. On va voir la valeur Z. Alors, normalement, on avait déjà parlé de la valeur Z. La valeur Z, elle est définie comme le troisième état. La valeur Z ou l'état Z est le troisième état logique en comptant l'état 0 et l'état 1. On avait déjà parlé de ça. On avait parlé de ça lorsqu'on avait étudié les portes logiques. On avait vu la dernière porte, c'était le three-state buffer. On avait dit que le three-state buffer, c'était la seule porte qui pouvait produire la valeur Z. C'est la seule porte qui pouvait produire la valeur Z. Alors, par définition, c'est quoi le Z? Alors, Z, c'est un troisième état. Dans la logique booléenne, jusque-là, on travaillait qu'avec deux états. On travaillait avec l'état 0. Ou bien l'état 1. L'état, ça veut dire sa valeur. La valeur 0 ou bien la valeur 1 logique. Dans l'algèbre de Boole, c'était toujours ça. On avait dans les variables, on ne pouvait supposer l'utilisation que des valeurs 0 ou 1. Il n'y avait pas de Z. Il n'y avait pas de Z. Alors Z, on va l'utiliser. Il faut savoir que réellement Z n'a pas de définition mathématique, algébrique, logique. Dans l'algèbre de Boole, Z n'est pas définie. Ça n'existe pas dans l'algèbre de Boole, la valeur Z. Ça n'existe pas. Mais elle se trouve électriquement, physiquement. Physiquement, on va utiliser Z, pas dans l'algèbre de Boole, mais on va l'utiliser physiquement dans les circuits. Il y a certaines situations, dans la plus célèbre, c'est l'utilisation des bus. On va voir l'utilisation des bus. Quelques bus exigent l'utilisation de la valeur Z. La valeur Z, c'est un troisième état. C'est un état électrique ni à 0 volts ni à 5 volts. 0 volts, c'est la valeur logique 0, et 1, c'est la valeur 5 volts. La valeur Z, elle n'est ni le premier ni le deuxième. Alors, c'est quoi? C'est une valeur, réellement, c'est une valeur flottante. Ce qu'on appelle valeur flottante. Les électroniciens appellent ça la valeur flottante ou bien la valeur à haute impédance. En électronique, l'impédance, c'est l'équivalent de la résistance. C'est une résistance. Peu importe. Vous pouvez trouver ces noms aussi. Valeur flottante ou bien valeur à haute impédance. Ou bien la valeur Z. Ou bien la valeur Z. La seule porte qui puisse générer la valeur Z, c'est le three-state buffer. On avait déjà vu ça. La seule porte qui peut générer l'état Z, c'est le three-state buffer. Comment il peut le générer? Voilà, ça c'est un schéma du three-state buffer. Le three-state buffer, on avait déjà vu, c'est un simple buffer avec une entrée de commande. Un simple buffer, c'est un triangle qui contient l'entrée A et la sortie S. Le three-state buffer, il a en plus qu'un simple buffer, il a la commande C. C'est une entrée qu'on appelle C, et c'est une entrée de commande. Elle va permettre de commander la porte. Juste pour rappel, brièvement, le buffer, c'est une porte qui ne fait aucun traitement. Elle ne fait aucun traitement. Ça veut dire qu'elle se comporte comme un simple fil électrique qui transmet le signal. Dans la porte buffer, si vous donnez la valeur 0, elle va sortir la valeur 0. Si vous donnez en entrée la valeur 1, elle va sortir la valeur 1. Le buffer, il ne fait aucun traitement. Le three-state buffer, par contre, là, ça va être en fonction, en rapport de la commande donnée. Alors, la commande, on peut commander par deux valeurs, bien sûr, logique, la valeur 1 ou bien la valeur 0. Si, au three-state buffer, si on donne la valeur 1 dans l'entrée de commande, le three-state buffer, il va se transformer et se comporter comme un simple buffer. Il va devenir un simple buffer. C'est un simple buffer. Ça veut dire la valeur qui se trouve dans son entrée, la valeur logique qui se trouve dans son entrée, elle va directement sortir sans aucun traitement logique vers sa sortie. S'il y a 0, ça sort 0. S'il y a 1 en entrée, ça sort 1. Voilà. C'est lorsque la commande C, elle contient la valeur 1, la valeur logique 1. Par contre, si on donne la valeur 0, ou bien c'est l'entrée de commande reçoit la valeur logique 0, ici, qu'est-ce que le three-state buffer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire la valeur Z. Il va produire dans sa sortie la valeur Z. Et il va ignorer ses entrées.
Quelle que soit l'entrée, 0, 1, il ne va pas avoir l'entrée. Sa seule fonctionnalité, c'est qu'il va produire la valeur z dans sa sortie. Il va produire la valeur z dans sa sortie. Électriquement, qu'est-ce que ça signifie z? Z, ça signifie que vous avez un fil qui n'est pas branché. Un fil qui n'est pas branché, flottant, qui n'est pas branché à aucun fil, ça c'est la valeur Z. Ça c'est la valeur Z. Intérieurement, à l'intérieur de la porte, le tri-state buffer, comment il va faire pour produire la valeur Z? Alors réellement, il va couper le fil à l'intérieur. Réellement, si vous donnez la valeur 0 dans son entrée de commande, qu'est-ce qu'il va faire? À l'intérieur, il va couper l'entrée de la sortie. La sortie, elle est débranchée, elle est flottante, elle est débranchée de l'entrée. Lorsqu'elle est débranchée, elle n'est pas branchée, ça veut dire qu'elle contient la valeur Z. Ça veut dire qu'elle contient la valeur Z. Je vais faire une expérience. Supposons par exemple, vous avez un interrupteur, l'interrupteur qui allume et éteint la lumière. L'interrupteur, si par exemple vous allez l'ouvrir, vous allez appuyer pour éteindre, ça veut dire qu'il est ouvert. Ça veut dire qu'il est ouvert. Lorsqu'il est ouvert, il n'est pas branché. Les deux connexions, ils ne sont pas branchées. Lorsqu'ils ne sont pas branchés, ça veut dire qu'on peut dire que la borne de sortie, elle est flottante. Elle est flottante parce qu'elle n'est pas branchée. Lorsqu'on débranche, ça veut dire que la sortie, elle produit la valeur Z. La valeur Z, alors c'est très simple, c'est lorsque vous avez un fil qui n'est pas branché. Vous avez un fil qui n'est pas branché. Et vous allez voir cette caractéristique, elle est très importante. Elle est très pratique, elle est très utile. On va l'utiliser. En tout cas, c'est ça le concept. Le concept, c'est que Z, ça veut dire qu'on débranche. On débranche la sortie. On débranche le fil. On débranche un fil, on vient de produire la valeur Z. Alors, bien sûr, on va revoir cette définition sur un logiciel qu'on avait déjà fait lors de la définition de la porte logique. Alors, un signal ou bien un fil avec une valeur Z signifie que le fil n'est pas branché, ni à 0, ni à 1. C'est exactement ce qu'on vient de définir. On avait déjà vu ça, sur un logiciel de simulation logique. On avait vu ça sur Logisim. Le logiciel s'appelle Logisim. C'est un simulateur logique. Il permet de simuler la logique. Alors, ici, on peut voir les trois états. Ça, c'est l'état 1. Ça, c'est l'état Z. Ça, c'est l'état 0. L'état 1, alors, c'est ça. Le cercle, c'est une sortie. C'est la même convention dans le logiciel. Le cercle, ça représente une sortie. Alors, si on suit le cercle, le fil, il provient de ce qu'on appelle le VCC. Le VCC, ou bien c'est le plus 5 volts, ou bien c'est la borne plus de l'alimentation. C'est représenté par le triangle ici. Voilà, si vous avez un fil qui est branché au VCC, ça veut dire qu'il va produire la valeur 1. Il va produire la valeur 1. Le logiciel, il représente le 1 par la couleur vert clair. Par contre, là c'est 0, c'est vert foncé, on peut lire la valeur 0 ici, dans la sortie, et là on voit qu'il est branché dans ce qu'on appelle le ground. Le ground, c'est la masse en foncé, c'est la masse, ou bien c'est la borne négative de l'alimentation. C'est la borne négative de l'alimentation, c'est schématisé par ce symbole. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur logique 0. On a la valeur logique 0. Alors, le troisième état qui nous intéresse, ici c'est le Z, c'est en bleu. Le simulateur, il va le représenter par la couleur bleue. Et ici, on va dans la sortie, le logiciel, il l'appelle X. Nous, on va l'appeler Z. Le logiciel, il l'appelle X, mais c'est le même concept. C'est toujours la valeur flottante. C'est juste que le logiciel ne va pas l'appeler Z, il va l'appeler X, mais peu importe, nous on va l'appeler Z, mais c'est exactement le même concept. Le plus important à savoir ici, c'est que vous voyez que ce fil, il n'est pas branché, ni au VCC, ni au ground, il est débranché. Lorsqu'un fil est débranché, il comporte à l'intérieur la valeur Z, il comporte la valeur Z. Ici, pour bien comprendre, il y a un concept très important à prendre en considération. On avait déjà parlé de ça. Si vous avez un fil qui n'est pas branché, il est facile de tomber dans l'erreur de penser, de dire qu'il contient la valeur 0.
Un fil n'est pas branché, ça veut dire il contient la valeur 0. Non. Un fil n'est pas branché, il contient la valeur Z. Son voltage est inconnu. La confusion, elle vient de l'ampérage. C'est vrai, un fil qui n'est pas branché, son ampérage est à 0. C'est vrai. Contrairement à un fil qui est branché. Mais il faut savoir, dans l'électronique numérique, le signal est transmis par le voltage, pas par l'ampérage. On cherche à lire le voltage, mais pas l'ampérage. Un fil qui n'est pas branché, malgré que son ampérage est à zéro, mais son voltage est inconnu. Son voltage est totalement inconnu. Contrairement à un fil qui est branché à la borne au gramme. Ce fil, c'est la même chose. Son ampérage est aussi à zéro. Mais son voltage est connu. Son voltage, il est à zéro aussi. Il est à zéro aussi. Voilà. Cette confusion, cette erreur, il ne faut pas la faire. Elle est très connue. Il ne faut pas la faire. C'est qu'un fil qui est débranché, c'est vrai, son ampérage à zéro, mais son voltage, il est flottant réellement. Il est inconnu. Il est aléatoire. Il est totalement aléatoire. Le concept est très important à prendre en considération et très important à assimiler pour ne pas tomber dans l'erreur. Voilà, on va revoir ce point. Si un fil est débranché, son voltage est flottant et aléatoire entre la valeur 0 volts et 5 volts. Et expérimentalement, on avait déjà vu ça. Je vais vous refaire la vidéo où on avait utilisé ça expérimentalement. Quand est-ce qu'on avait vu ça expérimentalement? Lorsqu'on avait entamé la construction du circuit de l'afficheur 7 segments. Alors au début, au départ, on n'avait branché aucune entrée. On avait les 4 entrées, ils étaient débranchés. Débranchés, ça veut dire qu'ils étaient flottants. Ils étaient flottants. Et là, on avait vu la sortie qu'elle donnait un signal qui varie. La lampe, elle flottait. Elle donnait un signal qui n'est pas stable. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de reproduire la valeur flottante. Parce que le voltage, les quatre entrées n'étaient pas branchées et produisaient une entrée qui était flottante. Voilà. Et vous pouvez la voir sur la vidéo. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la valeur Z. C'est quoi son intérêt? Pourquoi on l'utilise? Alors, le rôle de la valeur Z est de détourner la règle 4 de la définition des circuits combinatoires. Pour rappel, la règle 4 des circuits combinatoires, c'était la règle qui permettait d'inhiber ou bien d'éliminer les courts-circuits. Qu'est-ce qu'on avait dit? La règle 4, qu'est-ce qu'elle stipule? Elle stipule que si vous avez deux sorties, il ne faut pas les brancher ensemble dans le même fil. On avait dit qu'une entrée, elle ne pouvait pas recevoir de plusieurs sorties. Et en même temps, l'autre interprétation, c'est que de prendre deux sorties ou bien plusieurs sorties, il ne faut pas les brancher ensemble. Si on branche deux sorties ensemble, on a un risque d'avoir ce qu'on appelle un court-circuit. Le positif peut être branché directement avec le négatif, il va y avoir un court-circuit, ou bien on avait appelé ça aussi une contention, la contention. Logiquement, on appelle ça la contention. Voilà. La valeur Z, elle permet de détourner ça. Ça veut dire, avec la valeur Z, on aurait plusieurs sorties. En utilisant la valeur Z, on pourra les brancher ensemble. Voilà, c'est ça le rôle de la valeur Z. Je vais lire le point. Ça permet à plusieurs sorties de partager le même fil. Ils vont partager le même fil à une condition d'utiliser. C'est pas directement. À une condition d'utiliser la valeur Z. Le fil partagé est appelé bus car il est utilisé pour transporter l'information. Voilà. Ça c'est pas la règle absolue, mais généralement les valeurs Z sont utilisées pour implémenter les bus. Les bus, c'est quoi? C'est des fils qui vont être spécialisés dans la transmission de l'information. On va étudier ça. Alors, pour étudier ça, on va voir le schéma d'un bus. Alors ici,
il y a une certaine confusion à expliquer. On avait déjà parlé du bus. On avait dit que si vous avez par exemple plusieurs fils qui sont rassemblés ensemble en dessinant sur le logigramme, en dessinant un slash, on disait ça c'est un bus parce que c'est un fil qui contient à l'intérieur plusieurs fils. On appelle ça un bus. Ça c'est toujours la définition, elle reste correcte. Ici, même si un simple fil, le rôle du fil, si c'est le rôle du fil, c'est la transmission de l'information entre plusieurs circuits. On l'appelle aussi un bus. Ça veut dire que l'appellation bus, elle peut signifier les deux situations. Ça veut dire si vous avez par exemple plusieurs fils qui sont rassemblés ensemble sur le même fil qu'on appelle bus, ou bien si vous avez même si un seul fil, mais son rôle principal, c'est la transmission entre plusieurs circuits. Par exemple, ici, on a ce fil qui est à l'extérieur, ça, ce grand fil, qui est à l'extérieur dans ce schéma. Vous allez voir, son rôle, ça va être de transmettre l'information entre ces quatre circuits. On va faire cette expérience, on a ces quatre circuits, ils vont communiquer entre eux. Ces circuits, ils peuvent être des circuits séquentiels comme ils peuvent être des circuits combinatoires, peu importe. Le plus important, ce sont des circuits numériques. Ils vont communiquer entre eux. Par exemple, le 1, il peut communiquer avec le 4, ou bien le 3, il va communiquer avec le 2. Pour communiquer, la communication, ça va passer par le fil, ce fil unique qu'on va appeler bus. Ça, ce fil, il va être responsable de la transmission de l'information entre ces circuits. On va aussi l'appeler bus. Alors, ici, voilà, réellement le bus c'est ça, c'est ce fil. Ce fil, il représente le bus. Vous allez voir que c'est un fil qui est partagé par les quatre circuits. Par exemple, les sorties, voilà, ça c'est les sorties des quatre circuits. Ils vont tous donner ou bien verser sur le bus. En même temps, ces quatre circuits, ils vont recevoir du même fil. Voilà, voici leur entrée. Voilà, ça veut dire que le bus, qu'est-ce qu'il est? Il est partagé par les quatre sorties des quatre circuits, en même temps avec les quatre entrées des quatre circuits. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle bus d'ailleurs. C'est parce que tous les entrées et toutes les sorties sont partagées sur ce fil, sur le bus. Alors, la chose la plus importante à dire ici, c'est qu'il y a un circuit qu'on appelle arbitre. C'est ici. L'arbitre, réellement, c'est quoi? Il va arbitrer le partage ou bien l'utilisation du bus. On sait que le bus, il est partagé par plusieurs entrées, par plusieurs sorties, par plusieurs circuits. Là, on est obligé d'utiliser un circuit qui va départager, qui va décider celui qui doit prendre le bus. Alors, il faut savoir que les données ne peuvent pas passer en même temps. Il y a un seul circuit qui va prendre le contrôle du bus. Il n'y a qu'un seul circuit qui va prendre le contrôle du bus. Le circuit qui va prendre, entre les quatre, qui va prendre le contrôle du bus, ça va être décidé par l'arbitre du bus. C'est l'arbitre qui va décider, qui va dire ce circuit, il va prendre le contrôle du bus. Alors, ici, le plus important, c'est qu'on va voir le rôle des three state buffers. On va voir le rôle du three state buffer pour l'utilisation des bus. Alors, là, on a quatre sorties. Les quatre sorties, ils vont déverser sur un seul bus. Et là, pour les départager, on doit utiliser les three state buffer. Comment ça? C'est très simple. On suppose, par exemple, que le circuit 2, par exemple, ça c'est le circuit 2, il va prendre le contrôle du bus. Ça veut dire qu'il va faire sortir sa valeur sur le bus. Supposons par exemple qu'il y a 1 ici, 0 ici dans cette sortie, il y a 1 dans cette sortie et 0 dans cette sortie. Les 4 bus ont leur sortie. Ici,
les three state buffers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser le 1 du circuit qui va prendre le contrôle passer. Les autres, ils vont couper les fils. Ça veut dire qu'ils vont produire la valeur Z ici. Ça va être Z ici et Z dans cette sortie. Avec cette configuration, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de couper les sorties des trois circuits qui sont le circuit 1, le circuit 3 et le circuit 4. Ils sont coupés, ils ne peuvent pas accéder au circuit. Ils sont coupés en utilisant les three state buffers. Les three state buffers, ils sortent la valeur Z. La valeur Z, ça veut dire que le fil est branché, débranché. Le fil, il est débranché ici, il est débranché ici, il est débranché ici. Par contre, il n'y a qu'un seul three state buffer qui laisse passer sa valeur, qui laisse le 1 passer. Et bien sûr, qui va décider de ça? C'est l'arbitre du bus. L'arbitre du bus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, dans l'entrée de contrôle de ce three state buffer, il va donner 0 ici, il va donner 1 dans le three state buffer, le deuxième three state buffer, il va donner 0 dans le contrôle du troisième et 0 dans le contrôle du quatrième three state buffer. Ainsi, je vais l'écrire correctement. Alors, 0 ici, 1 ici, 0 ici, 0 ici. Ainsi, l'arbitre du bus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé que le seul qui devrait déverser sa valeur, ou bien qui devrait prendre le contrôle du bus, c'est le circuit 2. C'est le circuit 2 qui a laissé sa valeur prendre le fil. Ainsi, ce fil, il est rempli, ou bien on dit qu'il contient la valeur du circuit 2, qui est la valeur 1. Elle va se propager sur tout le bus. Supposons par exemple qu'on veut que le circuit 2 passe sa valeur vers le circuit 4. Là aussi, on a la même chose. Le 1, il va se propager vers les entrées des 4 circuits. Il va se propager vers les entrées des 4 circuits. Et là, c'est la même chose. C'est un seul circuit qui peut lire la valeur. Les autres, ils ne vont pas la lire. C'est un seul circuit qui doit la lire. Ici, la lecture, c'est en utilisant l'entrée enable. L'entrée EN ici, c'est l'entrée enable. Enable, en anglais, ça veut dire permettre, bien activer. Ici, c'est permettre. Ça veut dire permettre la lecture. Cette entrée enable, si on suit bien le circuit, elle est contrôlée par l'arbitre de bus. C'est l'arbitre de bus qui va décider du circuit, qui va lire la valeur. Ça veut dire, il va lancer 1. 1, ça veut dire c'est enable. Ça va permettre la lecture. Il va lancer 1 ici. Voilà, ici. Il va y avoir 1. Et ici, ce circuit, il peut lire la valeur. Les autres sont mis à 0. Ils sont mis à 0. Ça veut dire on aura un 0 ici, un 0 ici, un 0 ici. Un 0, ça veut dire les circuits, ils ne vont pas lire l'information. De cette manière, le circuit 4, il va lire le 1 qui a été envoyé par le circuit 2. Alors, c'est comme ça qu'un bus partagé fonctionne. On appelle ça un bus partagé. C'est un bus partagé entre les 4 circuits. Alors, l'astuce, c'est quoi? C'est que si on a un fil partagé ou bien un bus partagé, il faut contrôler les sorties des circuits. Tous les circuits. On a les 4 circuits. Qu'est-ce qu'on va faire? On va débrancher tous les circuits qui n'ont pas droit à accéder au bus. Il n'y a qu'un seul qui va accéder au bus et il va être décidé par l'arbitre de bus, par ce circuit. Il va décider de celui qui aura le droit d'accéder au bus. Il va lui donner la valeur 1, les autres, il va leur donner la valeur 0. S'il donne la valeur 1, bien sûr, c'est la valeur de contrôle des three state buffers. On connaît très très bien la valeur 1 et la valeur 0. La valeur 1, ça veut dire il laisse passer l'information. 0, ça veut dire il va sortir la valeur Z. La valeur Z, c'est débranché. La valeur Z, on a déjà étudié ça. Ça veut dire que la sortie ici, cette sortie, elle est débranchée de ce fil.
Là, c'est la même chose. Et là, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul fil qui a accès, une seule sortie qui a accès à ce fil. C'est le circuit 2. C'est exactement ce qu'on veut. On veut transférer l'information du circuit 2 vers le circuit 4. Voilà. Le circuit 2, il prend le contrôle de ce bus et il déverse, il met à disposition son information sur le bus. L'information, elle va se propager tout au long du bus et elle va arriver sur toutes les entrées des circuits. Voilà, elle arrive ici, elle arrive ici, elle arrive ici, elle arrive ici. Nous, pour que la communication fonctionne normalement, les trois circuits, le circuit 1, le circuit 2 et le circuit 3, n'ont pas besoin de cette information. L'information n'est pas destinée pour eux. Elle n'est pas destinée pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas lire. Ils ne vont pas lire cette information. Et le circuit 4, c'est le circuit qui a réellement besoin de cette information. Là, il va pouvoir, il va devoir lire cette information. La commande de la lecture, c'est utilisée avec l'entrée enable, EN, ça veut dire enable. Enable, ça veut dire permettre la lecture. Ici, le seul qui a la permission de lecture, c'est le circuit 4. C'est le circuit 4, c'est le seul qui a le droit de lire l'information. Qui va décider de ça, qui va décider de la lecture ou non, c'est l'arbitre du bus. C'est l'arbitre du bus qui va dire que décider du circuit qui doit lire et qui ne doit pas lire. Alors, en résumé, c'est l'arbitre du bus qui va créer le canal entre un circuit vers un autre circuit. Son rôle, c'est de créer le canal. Voilà, globalement, ça, c'est le principe. Les bus partagés fonctionnent de cette manière. Ils fonctionnent de cette manière. Bien sûr, ici, on vient de faire une illustration simple pour un seul fil. Réellement, les bus, généralement, ils contiennent 8 fils. Ça veut dire que c'est sur 8 bits, généralement. Sur 8 bits ou bien 16 bits ou bien sur... On a fait l'exemple sur 1 bit, mais réellement, en général, ça fonctionne sur 8 bits, sur 16, sur 32 et ainsi de suite. Ça veut dire, ici 8 bits, ça veut dire ici on aurait 8 tri-state buffer ici, 8 tri-state buffer ici, 8 tri-state buffer ici et 8 tri-state buffer ici. Ça veut dire que l'information sur 8 bits, on aura la possibilité de la bloquer de tous... De bloquer toutes les sorties, les huit sorties. Voilà, globalement, c'est ça. Alors, juste un dernier mot concernant les bus. Alors, pour la micro-architecture, les bus, généralement dans les circuits numériques, ou bien dans les micro, on appelle ça les micro-architectures, ça veut dire c'est lorsqu'il y a plusieurs circuits qui vont communiquer entre eux. Ça, c'est la micro-architecture. Là, généralement, il y a trois types. Il y a ce type, ça, c'est un bus partagé. C'est un bus partagé entre tous les circuits. Et réellement, c'est la solution la plus économe, mais la moins fiable. Elle est facile à faire, elle ne va pas utiliser beaucoup de fils. Mais elle n'est pas fiable, elle n'est pas bonne, elle n'est pas la plus bonne. Pourquoi? Parce que si un bus détient le contrôle, si un circuit détient le contrôle d'un bus, les autres circuits ne peuvent rien faire. Ils doivent attendre la fin de l'opération pour pouvoir envoyer leur information. Et ça, c'est inefficace. Réellement, ce type de circuit, c'était dans les débuts de la micro-informatique. Par exemple, dans les Apple 1, dans les années 80, les PC à l'intérieur utilisaient des bus de ce type. Ils utilisaient des bus de ce type. Il y a un autre type, il y a un type où l'utilisation des multiplexeurs et des démultiplexeurs. On utilise des multiplexeurs et des démultiplexeurs, c'est différent de ça. Et il y a une troisième technique, c'est la technique actuellement la plus utilisée, c'est la plus moderne et c'est la plus performante, mais c'est la plus chère. Elle consiste à créer un bus entre tous les circuits. Chaque paire de circuits
Il y a un bus. Chaque paire, par exemple le 1, il a une connexion avec le 2, et il a une paire de connexions avec le 3, il a une paire de connexions avec le 4, et ainsi de suite. Le 2, c'est la même chose. Le 2, il a une connexion avec le 1, il a une connexion avec le 3, il a une connexion avec la 4. Ça veut dire qu'il y a des connexions pour chaque paire de circuits. C'est la plus efficace. Mais c'est normal, c'est logique que ça demande beaucoup de fils. Ça va demander beaucoup de fils. Voilà, réellement c'est ça. Pour l'arbitre de bus, réellement, concrètement, l'arbitre de bus, dans les années 80, dans les débuts de la micro-informatique, il était implémenté par un simple décodeur, les décodeurs qu'on avait étudiés. Je ne vais pas expliquer exactement comment ça se passe, mais un simple décodeur va, logiquement, c'est un simple décodeur, il va faire l'office d'un arbitre de bus. C'était comme ça dans, par exemple, Apple 1 et dans le Commodore 64, c'était construit à peu près de cette manière. D'accord ? Dans les années, dans les cartes mères un peu anciennes, on utilisait ce qu'on appelle les chipsets. À l'intérieur, il y avait des chipsets. Sur les cartes mères, on appelle ça les chipsets. Les chipsets, leur rôle, une partie de leur fonction, c'est l'arbitrage des débits. Une partie de leur rôle, c'est de faire l'arbitrage de bus. On appelait ça des chipsets. C'était des circuits spéciaux qu'on trouvait sur les cartes mères. Actuellement, en 2020, en 2021, actuellement, l'arbitre de bus, il est intégré à l'intérieur du processeur. On les trouve, c'est généralement le chipset, on appelle ça le North Bridge, il est intégré dans les processeurs, il est à l'intérieur des processeurs, et une partie de l'arbitrage est faite par ce circuit, par les chipsets, par les, ce qu'on appelle North Bridge et South Bridge, ces deux-là sont utilisés pour sont ce qu'on appelle les chipsets. Voilà, ça c'est le principe des bus, ça c'est le principe d'utilisation des bus. Ce qu'on va voir après, c'est ce qu'on appelle les états, les deux états, état 0 faible et état 1 faible. Alors c'est quoi ça? Jusque-là, on avait étudié trois états. Il y a l'état 1, l'état logique, l'état 1, l'état 0 et l'état Z. On va en rajouter encore deux. L'état 0 faible et l'état 1 faible. Et vous allez voir, ils sont assez importants, ils vont nous permettre à faire un travail bien spécifique. Ils sont en relation avec l'utilisation de la valeur Z. Vous allez voir, ils sont en relation avec l'utilisation de la valeur Z. Alors, on va commencer à comprendre leur utilité, pourquoi on les utilise. Alors, je vais lire, certains circuits ne tolèrent pas l'utilisation de Z dans leurs entrées et peuvent les dysfonctionner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai. Lorsque vous avez un Z qui est sur un fil, supposons, par exemple, que ce fil, il va entrer dans un circuit. Il va être dans l'une des entrées d'un circuit quelconque, que ce soit un circuit séquentiel ou bien un circuit combinatoire, dans un circuit numérique. Il y a des circuits qui ne supportent pas, qui ne tolèrent pas qu'on leur donne une valeur Z, une valeur flottante, une valeur qui n'est pas fixe. Ils doivent avoir ou bien 0 ou bien 1. Ils ne tolèrent pas le Z. Ça, c'est problématique pour eux. Plus grave, il peut les dysfonctionner. Dysfonctionner, ça veut dire il peut les rendre inaptes à fonctionner. Ils ne peuvent plus fonctionner normalement. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est un problème de l'utilisation de Z. Ça veut dire qu'il peut poser problème dans quelques, pas tous, mais il y a quelques circuits qui ne supportent pas le Z dans leurs entrées. Le problème ne vient pas des sorties, mais des entrées. En sortie, il n'y a pas de problème, mais dans l'entrée, il y a un problème. Et en plus, c'est une mauvaise conception d'avoir des valeurs qui ne sont pas stables, ni 0 et ni 1. Ça, c'est dans l'éthique de la conception des circuits
numérique. Lorsqu'on conçoit un circuit, il est préférable de savoir à n'importe quel moment, quel que soit le moment, on doit savoir la valeur d'un fil électrique. Est-ce qu'il est à 1 ou bien est-ce qu'il est à 0? Parce que s'il est Z, on ne connaît pas sa valeur. S'il est à Z, il est flottant. Il est flottant. Parfois il passe à 1, parfois il passe à 0, parfois il est dans une zone interdite. Si par exemple 3 volts ou 2 volts, ces deux valeurs ne sont pas prises comme des valeurs numériques par les circuits numériques. Ce sont des valeurs interdites. On appelle ça les valeurs interdites. Et ça change. Ça, ce n'est pas bon pour la conception. Lorsqu'on conçoit un circuit, il est préférable. Ce n'est pas une règle absolue, mais il est préférable à n'importe quel moment de savoir la valeur qui se trouve à l'intérieur d'un fil. Alors, c'est pour ces deux raisons on a inventé les concepteurs numériques utilisent deux autres états. Ces deux autres états, on les appelle le 0 faible et le 1 faible. Ce n'est pas un 0 normal, c'est pas un normal, mais c'est un 0 faible et un 1 faible. C'est le quatrième état et le cinquième état. Qu'est-ce que ça veut dire? Dorénavant, on travaille avec 5 états. 0, le 1, le Z, le 0 faible et le 1 faible. Voilà. Alors, l'autre raison, ou bien la principale raison de ces deux états, c'est de pouvoir remplacer le Z dans les bus vides. Et les bus, vides, ça veut dire les bus sans 0 ni 1. Un bus vide, le bus, lorsqu'il contient la valeur Z, on dit que c'est un bus vide. Il n'a pas de valeur, ni 0 ni 1. Dans ce cas, on peut remplir, c'est une façon de parler, remplir ce fil et lui donner une valeur. Comment on va le remplir? On va le remplir avec un 0 faible ou bien avec un 1 faible. On va le remplir avec un 0 faible ou bien avec un 1 faible. On va juste savoir comment on va faire ça. Mais c'est ça l'idée. Une dernière remarque, ce sont des constantes fixes, ils ne peuvent pas changer. Juste une dernière chose à dire ici, ces deux valeurs, 0 faible et 1 faible, elles sont différentes des autres. Les autres sont variables, que ce soit le Z, que ce soit le 1, que ce soit le 0. On peut les changer, ça veut dire qu'il y a des entrées qui peuvent changer, et ainsi de suite. Mais si vous avez une sortie, ou bien vous allez produire la valeur 0 faible, ou bien 1 faible, c'est constante, vous ne pouvez plus les changer. Il n'y a pas une porte qui les produit. Il n'y a pas une porte, il y a un circuit, on va l'étudier. C'est un circuit à base de résistance et ce circuit n'est pas modifiable. Ça veut dire, si vous avez dit que cette sortie elle va produire, par exemple, le 0 faible, au cours d'exécution du circuit, vous n'allez plus la changer. Ça sera fixe, ça sera constant tout au long de l'exécution de ce circuit. Voilà, ça c'est une vue globale. Et comment on va comprendre exactement le principe, ce principe de 0 faible et 1 faible, on va pratiquer sur un logiciel de simulation logique. On va simuler logiquement et on va voir réellement comment ça fonctionne, comment il fonctionne. On va commencer avec un circuit qui contient un 0 faible. Alors ici, réellement, voilà, on a un tri-state buffer. Ça représente le 0 faible. Et ça, c'est le bus. Alors, le plus important ici, c'est que le 0 faible, la valeur 0 faible ou bien 1 faible, ils sont spécifiques au bus. Ils sont utilisés qu'avec les bus ou bien avec les fils qui ont la possibilité ou bien le potentiel d'utiliser la valeur Z. Voilà, ici on va utiliser la valeur Z parce que ça, c'est supposé un bus. Ça, le cercle, ça c'est la sortie du bus juste pour lire la valeur. On n'est pas obligé de faire ça, mais c'est juste pour lire la valeur de sortie. Là, c'est un tri-state buffer. Voici le carré qui représente l'entrée du tri-state buffer. Et ça, c'est le C, c'est l'entrée de commande. Ça va nous permettre de commander le tri-state buffer. Alors, de cette manière, il n'y a pas de,
il n'y a pas de zéro faible. Et ça, ça peut poser problème. Par exemple, dans cette configuration, ici, le bus, il contient la valeur z. Il est bleu, il contient la valeur z. Et ça, cette valeur, on avait dit qu'elle pouvait poser problème si, par exemple, elle va être utilisée dans l'entrée d'un circuit quelconque. Ça peut lui poser problème. Alors, pour régler le problème, c'est très simple, on ajoute ça. On ajoute une résistance. Pour créer, par exemple, là ici, je viens de créer le zéro faible. Pour créer un zéro faible, qu'est-ce que je crée? Je crée une résistance. Une simple résistance. La résistance pour le zéro faible, je la branche avec le ground. Ici, c'est écrit zéro, mais réellement, c'est le ground, c'est la masse. Je la branche directement avec la masse. Et je viens de créer une sortie pour le zéro faible. Le zéro faible, ici, son entrée, elle est ici. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enlever le Z et elle va le remplacer par un 0. Elle va le remplacer par un 0. Réellement, cette résistance, en anglais, elle est très célèbre. On l'appelle pull-down resistor. Pull-down résistor. Je vais en parler après, mais on l'appelle de cette manière. Ce sont les résistances pull-down. Pull-down, ça veut dire ils sont branchés au ground. Down, c'est le ground, c'est le bas. C'est pull-down. Pull, ça veut dire elle tire vers le bas. Elle tire vers le zéro. Cette résistance, elle tire vers le zéro. L'autre, c'est l'inverse. Elle va tirer vers le haut. On l'appelle pull-up. On appelle résistance pull-up ou bien pull-up résistor. On va les voir après avec le 1 faible. Alors ça, c'est le 0 faible. Et on a vu, lorsque, je vais répéter l'expérience, lorsque on le branche, ici, c'est sa steady state, sa commande, elle est à 0, ça veut dire qu'il produit la valeur z. Le bus, il est sur z. Si je lui rajoute une pull-down résistor, ou bien une résistance pull-down, ou bien un 0 faible, il va se remplir, il va avoir la valeur 0. Il va avoir la valeur 0. Et ça, ça va enlever le Z et ça ne va plus poser problème pour les entrées des circuits qui vont utiliser ce bus. Voilà. Et d'un autre côté, on n'a plus une valeur flottante. On ne connaît pas sa valeur. La flottante, elle peut passer de 1 à 0 et à des valeurs interdites. Elle passe de façon aléatoire. Là, non. On a une valeur fixe, c'est la valeur 0. Une autre remarque ici, c'est que vous remarquez, ici, ce n'est pas une variable. Ça veut dire qu'on ne peut pas la changer. La pull-down, la résistance pull-down, elle est branchée au ground. Vous ne pouvez pas la changer. Par contre, ça, c'est des variables. Ça, par exemple, le carré, ce sont des entrées, ils peuvent changer. Voilà, ils peuvent prendre les valeurs 0 et 1. Ils peuvent changer. Alors, pourquoi on met un 0 faible au lieu, par exemple, d'utiliser directement un 0? Pourquoi on peut imaginer ça. Pourquoi je ne mettrais pas un 0 directement? Et de cette manière, je vais enlever la valeur z. Le problème, si je mets un 0 directement, il peut entrer en conflit avec un 1 en sortie ici. Supposons par exemple, ici j'ai mis 0. On va le faire. On va le faire rapidement. Si je ne mets pas de 0 faible, je mets un 0 normal. Je mets un 0 normal, alors je vais faire une constante. Ça existe, ça les constantes, ça veut dire ces valeurs qui ne changent pas. Alors cette constante, elle est à 0, par exemple. Elle est à 0. Elle est à 0. Voilà, elle est à 0. Ça, je viens de remplacer ici, en principe, ça produit la valeur z. Hein. En principe, ça produit la valeur z. Lorsque je la branche avec 0, c'est le 0 qui va enlever le z. Le bus n'est plus vide. Un bus vide, ça veut dire qu'il contient la valeur Z. Le bus ici n'est plus vide, mais il contient la valeur 0. Le problème, si je mets un 0 normal, il peut produire un conflit avec cette sortie qui pourrait sortir la valeur 1. Ça va produire la contention. Ça va produire un court-circuit. On va faire l'expérience. Par exemple, je mets un 1 ici et je vais le sortir ici. Ici, si je mets 1, je vais sortir la valeur 1. Voilà. Le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dessiner les fils avec la couleur rouge. La couleur rouge, ça veut dire qu'il y a contention. Il y a erreur. Il va sortir ici la lettre E pour dire qu'il y a erreur. C'est une contention. Il y a un conflit. Le conflit entre qui? Entre ce 0 et entre ce 1. Parce que, maintenant,
Cette sortie, elle a la valeur 1. Ici, il y a 1. Je viens de... le trick, c'est de faire... Je viens de lui donner la valeur 1, ça veut dire j'ai passé cette valeur 1. Et cette valeur 1, elle peut entrer en conflit. Alors, pour ne pas faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ce 0. Alors, juste la dernière... on voit ça pour la dernière fois. Voilà, je branche ici, c'est un conflit. J'enlève ça. J'enlève ça. Et je le remplace par un 0 faible. Voilà, ici c'est 0 faible. Mais regardez l'expérience ici, c'est que ça c'est 1, ça c'est 0, et je branche. Il n'y a plus de conflit. Réellement, le 1, il va dominer le 0. C'est pour ça qu'on l'appelle 0 faible. 0 faible, parce que le 0 faible, s'il entre avec un 1, c'est le 1 qui va gagner. C'est le 1 qui va l'emporter. C'est le 1 qui va dominer, il va prendre le bus. Ici, le 1 de cette sortie, c'est un normal, c'est pas un 1 faible. Il a dominé le 0 faible. Et il n'y a pas eu de conflit. Malgré, ici, c'est 0, ici, c'est 1, mais il n'y a pas de conflit parce que ça, c'est pas un 0 normal, c'est un 0 faible. C'est un 0 faible. Et il est utilisé pour cette manière. C'est pour ça qu'on appelle faible. C'est parce que lorsque il tombe en conflit avec un signal opposé, c'est le signal opposé qui va l'emporter. Et malgré, même si le signal opposé il va l'emporter, le plus important, c'est qu'il n'y aura pas de conflit. Il n'y a pas de contention. Parce que ce 0 faible ou bien ce 1 faible, il est faible et il ne va pas, être en conflit. Voilà, c'est ça le principe. C'est ça globalement le principe de l'utilisation des valeurs faibles. En résumé, la valeur faible, on l'utilise qu'avec les fils ou bien les bus qui peuvent contenir la valeur Z. La valeur Z, elle est supposée, lorsqu'un fil contient la valeur Z, on suppose qu'il est vide, il ne contient pas de valeur. On lui donne un 0 faible juste pour le remplir et éviter que cette valeur Z va entrer par des portes pour laisser, pour des circuits dont, qui prennent de ce bus. Si on pose, on peut choisir, ici c'est fixe, mais on va choisir, on peut choisir ou bien le 0 faible ou bien le 1 faible. Si on choisit par exemple ici le 0 faible, si le bus va recevoir la valeur Z, ça veut dire s'il est vide, c'est le 0 faible qui va prendre le bus. C'est le 0 faible qui va prendre le bus. Si par exemple je laisse passer la valeur 1 va dominer le 0 faible et elle va prendre le bus. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a pas eu de valeur Z. On a enlevé la valeur Z. La valeur Z qui nous posait problème, on vient de l'enlever. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le 0 faible. Alors juste rapidement, on va voir toutes les possibilités. La première possibilité, c'est que je mets ici 0. 0, ça veut dire que la sortie, elle va produire Z. Alors, si Z entre en conflit avec un 0 faible, c'est 0 faible qui va l'emporter. Voilà. Ici, c'est Z. Ici, c'est 0 faible. Je branche. Et c'est le 0 qui l'emporte. Je refais la même expérience, mais cette fois-ci, je vais lancer. Ça, c'est le signal 1. Je le lance. Et je le branche avec 0 faible. C'est le 1 qui l'emporte. C'est le 1 qui l'emporte. La dernière possibilité, c'est que si par exemple je produis ici un 0 normal avec un 0 faible, là il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit, ça reste 0, ça reste 0. Voilà, ça c'est pour la résistance pull-down ou bien le 0 faible. On va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour ce qu'on appelle le 1. Faible. Voilà, le 1 faible, il est représenté de cette manière. C'est toujours... Voilà, c'est toujours ça. Il est représenté par une résistance. La résistance, elle est branchée. Vous pouvez voir, elle est branchée à 1. Ça veut dire elle est branchée au VCC. Toujours la même remarque, c'est une constante. On ne peut pas changer ça. Si on le fait une fois, ça ne va plus changer. Et toujours, on doit la brancher. Ça, celle-là, on ne va pas la brancher avec... un bus qui ne contient pas Z. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. On doit la brancher avec un bus qui contient Z comme celui-ci. Celui-ci contient Z. On va brancher le 1 faible
lorsqu'on le branche, il va dominer, il va rendre le bus à 1, comme ceci. Le bus à 1. Ici, pourquoi il est 1? Parce que la sortie ici, elle est à Z. Elle est à Z. La même chose. On va tester toutes les possibilités. Ici, si la commande à 0, ça veut dire ça va produire Z. Ici, je change, ça n'a aucune importance. L'entrée sont débranchées des sorties. Ici, il y a une coupure entre ce fil et ce fil. Ça veut dire ce fil est débranché. Maintenant, je vais le brancher. 1, ça veut dire je viens de brancher. Ici, la valeur 1, elle passe ici. Ça, c'est un normal. Il ne va pas entrer en conflit avec un 1 faible. Là, le signal ne va pas changer. Quand est-ce qu'il y a un conflit? Si vous avez un 1 faible qui va entrer en conflit avec un 0, comme ceci. Ça, c'est un 0 normal. On va le voir, c'est un 0 normal. Le 0 normal, lorsqu'il entre en conflit avec un 1 faible, c'est le 0 normal qui va l'emporter. Et ça va produire la valeur 0. Voilà, globalement, ça fonctionne de cette manière. Il faut juste retenir trois choses. C'est que il faut une résistance de cette manière. Le schéma doit être de cette manière. Pour créer une... C'est ça. C'est ce circuit qui va créer le 0 faible ou bien le 1 faible. Ce sont des résistances qu'on appelle pull-up ou bien pull-down. D'accord. Ils sont branchés pour le pull-up. La résistance pull-up, elle est branchée au VCC. La pull-down, elle est branchée au ground. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, ils doivent être branchés sur un bus qui potentiellement peut contenir la valeur Z. Si un bus qui ne va pas, à n'importe quel moment, il ne va pas contenir la valeur Z, on n'a pas intérêt à faire ceci, parce qu'il n'y a pas de problème. Ça ne va pas poser de problème. Et troisièmement, il faut savoir que là, il y a une relation de dominance. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, vous avez un Z, la valeur Z, qui entre en conflit avec un 1 faible ou bien un 0 faible. C'est toujours le 1 faible ou bien le 0 faible qui va l'emporter. Si, voilà, ici par exemple, c'est un Z, il va entrer en conflit avec un 1 faible. C'est le 1 faible qui l'emporte. Le faible, il l'emporte sur le Z. Parce que le Z, c'est le plus faible de tous. Voilà, le 0 faible et le 1 faible, si l'un des deux entre en conflit avec le Z, c'est l'un des deux qui va l'emporter. Et inversement, si un 1 ou bien un 0 normal qui tombe en conflit avec 1 ou 0 faible, c'est le normal qui va l'emporter. Si un 0 normal tombe en conflit avec un 1 faible, c'est le 0 qui va l'emporter. Ou bien inversement, si un 1 normal entre en conflit avec un 0 faible, c'est le 1 normal qui va l'emporter. Voilà, ça fonctionne de cette manière. Ces trois points concernant l'utilisation des 1 faibles et 0 faibles. Alors, juste par convention, lorsqu'on dessine, c'est pas obligatoire, mais lorsqu'on dessine une résistance pull-up, généralement, on la dessine de cette manière, de bas en haut. Ça veut dire qu'elle est montante. Elle est montante. Ça veut dire, ça c'est le haut, ça c'est le bas. Cette partie, c'est haut. C'est pull-up. Pull-up, ça veut dire qu'elle va pousser le signal vers le 1. Le signal, normalement, il est à Z. Elle va le pousser vers le 1. Et inversement, la pull-down, elle est comme ça. Ça, c'est la pull-down. La pull down, elle doit être dessinée en bas, comme ceci. Ça veut dire qu'on doit la dessiner par convention, ce n'est pas obligatoire, mais par convention, on la dessine en bas, parce que c'est une pull down, on la branche avec le ground. Quand, comme vous savez, en électronique, généralement, le ground, on le dessine en bas, et le VCC, on le dessine en haut. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? Il ne faut pas que deux signaux faibles entrent en conflit. Il ne faut pas prendre par exemple un fil, dans un bout on met un 1 faible et dans l'autre bout on met un 0 faible. Voilà, ça c'est interdit. Et la dernière des choses, c'est que
Réellement, l'implémentation réelle physique, elle se fait avec des résistances normales. Par exemple, si vous voulez créer une pull-up, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre une résistance de 1 kilo-ohm, par exemple. Vous allez, par exemple, ce circuit, vous pouvez le brancher, vous pouvez le créer réellement. Pour le créer réellement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une résistance avec 1 kilo-ohm, parce que le 1 kilo-ohm, c'est la valeur la plus utilisée pour les pull-up et bien les pull-down. Voilà, 1 kilo-ohm, et vous allez la brancher. Si vous la branchez, par exemple, au VCC, là, vous allez obtenir un signal faible. Vous avez obtenu un signal faible. Il est construit de cette manière. Pratiquement, le 1 kilo-ohm, c'est les résistances qui sont utilisées pour créer les pull-down et les pull-up. La règle, c'est que vous pouvez utiliser 1 kilo, 2 kilos, jusqu'à 10 kilos. C'est ça l'intervalle. C'est de 1 à 10 kilos. Pour les résistances. Tout cet intervalle est valable. Est valable. Mais le mieux, c'est d'utiliser des résistances à 1 kilo. C'est d'utiliser des résistances avec 1 kilo. L'explication analogique, je ne vais pas la faire ici. L'explication analogique, en principe, c'est assez facile pour comprendre pourquoi, si vous branchez par exemple une résistance au VCC, je vais débrancher ça. Pourquoi ici c'est 5 volts? Je veux pas. C'est pas à moi de l'expliquer ça. Je vais pas l'expliquer, mais c'est assez simple. Cette explication est assez simple. Lorsque vous avez ça, ici c'est 5 volts. Ici c'est 5 volts. À une condition que ça soit débranché. Ça c'est débranché, c'est 5 volts. Si je branche ça. Ça, c'est le ground. Je vais rapporter le ground. Si je le branche au ground, ce point ici, ça devient zéro. C'est comme ça. C'est très simple à expliquer en analogique, mais je vais vous donner juste l'indice et je vais vous laisser essayer de deviner vous-même comment ça fonctionne. Et si par exemple j'enlève ici c'est 5 volts. Ici c'est 5 volts. Là, il n'est pas branché. Si je le branche, il devient 0 volts. Voilà, ça c'est de l'électronique analogique. C'est le comportement des résistances. Il faut se référer aux résistances et voir comment les résistances fonctionnent pour comprendre ce phénomène, électrique. Alors, on va voir quelques références de buffer et de tri-state buffer. On va voir les circuits, les références de circuits physiques réels. Qui contiennent des buffers et des tri-state buffers. Alors, on va commencer avec le buffer. Le buffer, c'est la porte qui ne fait aucune opération logique, qui fait transmettre son entrée directement vers sa sortie. Alors, on va voir la première référence, c'est 7407. C'est un circuit qui contient à l'intérieur hex buffer, ça veut dire 6 buffers. 6 buffers. Il y a aussi 7417. Il contient aussi à l'intérieur 6 buffers. On sait que les buffers ne font aucune opération, mais on a déjà parlé de ça. On avait dit que les buffers, ils sont parfois utilisés lors de l'étude temporelle d'un circuit. On n'a pas fait ça, mais dans l'étude temporelle d'un circuit, parfois on a besoin d'ajouter des buffers qui vont ralentir la vitesse du signal. Ils peuvent aussi être utilisés dans d'autres cas, bien sûr. Ensuite, on va voir quelques références sur les tri-state buffers. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les tri-state buffers. On a par exemple ici le 74240. C'est un octal inverted tri-state buffer. Il contient 8 octal, ça veut dire qu'il contient 8. 8, mais des buffers qui sont tri-state buffers qui sont inversés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le schéma. C'est ça le schéma. Ça veut dire, c'est un buffer, mais il va inverser le signal de son entrée. Ça veut dire, si il est dans le mode normal, ça veut dire qu'il n'est pas en train de sortir la valeur 0 lorsque je donne la commande 1 à l'entrée C. Là, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir la porte-note, un inverseur. Il va devenir la porte-note. Il va faire l'inverse. Par contre, si je donne la valeur 0 dans la commande C, là, il va sortir la valeur 7, quelle que soit l'entrée de A. Quelle que soit l'entrée de A, il va produire la valeur Z.
Bien sûr, la question elle est légitime. Pourquoi cela porte note? Normalement, on utilise un buffer, un subbuffer. Ici, c'est juste pour. C'est juste. Toujours, il y a cette philosophie de double fonctionnalité. Ça veut dire que, supposons par exemple, vous avez besoin d'utiliser 8 inverteurs, 8 porte-notes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter ce circuit. C'est exactement ce que font les électroniciens. Les électroniciens, s'ils ont besoin de 8 porte-notes, ils vont acheter ce circuit. Ils vont pas utiliser la fonction de Z. Ils vont directement brancher ou bien câbler la commande sur la valeur 1 et ils ont 8 porte-notes. Parce que si vous vous rappelez, il n'y a pas un circuit qui contient 8 porte-notes. On avait étudié le circuit qui contenait 6 porte-notes. Supposons qu'il y a des cas, par exemple, il y a des cas où vous aurez besoin de 8 porte-notes. Là, vous allez utiliser ce circuit. Pas pour son fonction Z, mais pour les porte-notes. Voilà, parfois, vous pouvez trouver des circuits de ce type. Et bien sûr, il y a les circuits normaux. On va voir le 74-244. C'était un tri-state buffer normal. Il n'est pas inversé. C'était un tri-state buffer normal. Il y en a 8 aussi, il contient 8 aussi à l'intérieur. Il y a aussi le 74-540 qui contient aussi 8 inverted 3 state buffer. Il contient 8 buffers inversés, les porte-notes. Et il y a aussi le 74-541, c'est un octal 3 state buffer. Il contient 8 portes 3 state buffer normal. 3 state buffer normal. Alors, on va faire un peu d'expérimentation. Cette expérimentation, pratiquement, elle sera portée sur ce qu'on appelle les interrupteurs. Ça, c'est des interrupteurs. Voilà. Là, j'ai ramené plusieurs types. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Les interrupteurs, c'est bien connu. Les interrupteurs, c'est les boutons. C'est généralement des boutons. C'est les boutons qui nous permettent, par exemple, d'allumer ou bien d'éteindre la lumière. Ce sont des interrupteurs. Ils permettent de fermer ou bien d'ouvrir un circuit électrique. Et dans l'électronique numérique, ça par exemple c'est un bouton, voilà, ça c'est un bouton, ils sont assez importants parce qu'ils vont représenter une entrée numérique. Par exemple, si j'appuie sur le bouton, je ferme le circuit et je fais passer le 5 volts, ça veut dire je vais passer la valeur 1. Si je l'ouvre, je passe la valeur 0. Voilà, ils vont être nos entrées numériques. Ils vont représenter les entrées numériques, nos entrées numériques. Et généralement, électriquement, ce sont représentés par des boutons, par les boutons. Si vous trouvez par exemple un appareil qui contient des boutons, si vous appuyez sur le bouton, vous passez la valeur 5 volts. Si vous relâchez le bouton, là, vous passez la valeur 0. Ça fonctionne de cette manière. L'information, elle est entrée au circuit. On va les utiliser. Et plus important, on va voir comment essayer de contrôler la valeur Z en utilisant les boutons. Parce qu'elle est assez dangereuse. Et on va essayer de la maîtriser. On va essayer de la maîtriser pour produire un signal numérique correct. Voilà. Les boutons, ils sont assez faciles à comprendre. Par exemple, on appelle ça un bouton poussoir. Ou bien en anglais, c'est push button. Voilà, lorsque j'appuie, je peux, c'est comme des boutons que vous trouverez normal dans les appareils électroniques. Lorsque j'appuie ici, par exemple, lorsque j'appuie, je crée un contact entre ces deux pattes. Entre ces deux pattes. Par exemple, je ferme ici, je ferme, ça veut dire qu'il y a une connexion électrique entre ces deux pattes. Si j'ouvre, là, il n'y a pas de connexion. Là, c'est ouvert, il n'y a pas de connexion, ils sont séparés. Ils sont séparés. Là, ce type de bouton poussoir, c'est le double. Il est en double, ça veut dire si j'appuie ici, en principe, à l'intérieur, il y en a deux interrupteurs. Si j'appuie, ça va fermer. Ça va connecter ça avec ça et en même temps ça avec ça. C'est ça. Si ça ouvre, les deux interrupteurs, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Ça, c'est le switch.
On appelle généralement en anglais switch. Généralement, le terme switch, ça englobe tous les interrupteurs. Mais généralement, on l'appelle switch. Alors, le switch, comment il fonctionne? Vous avez sûrement déjà vu ça. Alors, le switch, si par exemple, il est sur cette configuration, il va fermer ce pin avec ce pin, cette broche. Il va la connecter avec cette broche. Il va connecter ces deux broches. S'il est comme ça, sur cette configuration, s'il est sur cette configuration, qu'est-ce qu'il va faire? Il va connecter cette broche avec cette broche. Et maintenant, cette broche, elle est libre. Elle est libre. Elle n'est pas connectée. Cette broche, elle n'est pas connectée. Et ces deux-là, maintenant, ils sont connectés. Ça, c'est le switch. Ça, on appelle ça les boutons glissants. Ça, c'est des boutons glissants. Voilà, ils fonctionnent de cette manière. Et vous pouvez observer qu'il y en a 8. Qu'il y en a 8. De cette manière, on peut représenter une valeur sur 8 bits. Par exemple, ça c'est le premier bit, ça c'est le deuxième, troisième, quatrième. Je peux représenter ça comme ça. Et ce sont des simples interrupteurs. Comme ça, par exemple, c'est ouvert. Ça veut dire que, voici les pins. Ça veut dire, par exemple, si on prend le premier interrupteur, ces deux pins, ces deux broches sont déconnectées. Si je mets ça, par exemple, si je le ferme comme ça, ces deux-là, maintenant, ils sont fermés. Et le courant peut passer entre les deux. Voilà. Ça, c'est l'utilisation des... ce qu'on appelle des slide switch. Ce sont des interrupteurs glissants. Et ça permet de représenter... Si je voulais, par exemple, représenter la valeur 9, par exemple, en binaire, je mets ça. Ça veut dire 1 dans le premier bit. Ici, c'est 0, 0. Ici, c'est 1, voilà, 0, 0, 0, 0. Et je vais brancher les 8 et je vais avoir la valeur 9 en entrée. Je vais avoir la valeur 9 en entrée. Voilà. On va le lire correctement. Ça, c'est la valeur 9. Ça, c'est 1. Ça, c'est 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Voilà. Ça, ils vont nous permettre d'utiliser... un mécanisme d'entrée dans les circuits numériques. Les boutons ou bien les interrupteurs, ils vont nous permettre de les utiliser comme un mécanisme d'entrée pour les circuits numériques. Ça sera des entrées pour nos circuits numériques et on va apprendre à les utiliser. Alors, on va faire une expérience très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le bouton poussoir. Pushbot. On va l'utiliser, on va voir comment il fonctionne. Alors la première chose à faire, je vais l'utiliser le plus simplement possible. Je vais l'utiliser comme un bouton qui va allumer une lampe. Au lieu d'utiliser une lampe, je vais utiliser bien sûr la LED. Nous on a travaillé avec la LED, je vais utiliser la LED. La LED, je vous ai déjà dit ça, elle est polarisée. Ça c'est le pôle positif, ça c'est le pôle négatif. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais la brancher comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette patte et je vais la brancher ici, comme ceci. Voilà, comme ceci. Je vais brancher la deuxième patte. Ça, c'est la deuxième patte de l'interrupteur. Je vais la brancher avec le pôle positif, avec la borne positive, avec le VCC. Voilà, je viens de la brancher avec le VCC. Qu'est-ce qui reste? Je dois ajouter ma résistance. Alors, la résistance, maintenant on va faire une résistance correcte pour la LED. Je vais prendre le 220. J'ai pris une résistance 220 ohms. Généralement, le 220 ohms, c'est le plus adapté pour les LED. Voilà, ça c'est une résistance 220. Bien sûr, je vais la brancher dans le pôle négatif et je vais, voilà, la mettre en série. Je vais la mettre en série avec la LED. Voilà, ça fonctionne de cette manière. On avait vu ça la fois passée. Bien sûr, je n'ai pas oublié de mettre ces deux connexions, ces deux fils. Ils permettent de brancher les deux raies d'alimentation. Voilà, et je vais alimenter et on va voir comment ça fonctionne.
Voilà, on va alimenter. Voilà, en principe, c'est alimenté et je vais l'utiliser normalement. Si j'appuie, ça s'allume. Ce phénomène, c'est le phénomène pratiquement le plus connu de l'électricité. Ça veut dire, j'ai une lampe, j'ai un interrupteur et j'allume la lampe. Lorsque j'appuie, je ferme le circuit, le courant passe et la lampe, elle est allumée. Lorsque je relâche, le circuit est ouvert et la lampe, le courant ne passe pas et la lampe ne s'allume pas. C'est le phénomène le plus connu généralement. Tout le monde connaît ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que lorsque j'appuie, je vais passer la valeur 5 volts. Je vais passer le 1 logique. Lorsque je lâche, je vais dire que je passe la valeur 0 volts et je ne passe pas de courant. Je passe la valeur 0 volts et là, je peux contrôler cette variable, ça veut dire que je peux passer 1 volt ou bien 0. Je vais utiliser ce principe dans les circuits. Le problème ici, c'est que, on va voir ça après, il y a un Z dans le circuit et qui va nous fausser la valeur. On va le voir sur un circuit, on va l'utiliser, là je viens d'utiliser sur la LED, mais on va l'utiliser sur les portes logiques. Je vais l'utiliser dans une porte logique. Le même circuit. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais rien changer. Je vais juste rajouter des portes logiques. Je vais rajouter le circuit qu'on avait déjà travaillé avec, c'est le 7404, qui contient à l'intérieur, on sait qu'il contient à l'intérieur, 6 porte-notes. Il contient 6 porte-notes. On va, avant cela, je vais débrancher et on va l'alimenter. Bien sûr, vous avez les schémas pour suivre. On va l'alimenter. Le VCC, c'est dans le pin 14. Et on a le ground. Il est ici. Voilà. Je vais utiliser la première porte. La première porte, elle est ici. Son entrée, c'est le 1. Sa sortie, c'est le 2. On a vu ça plusieurs fois. Alors, je vais commencer avec sa sortie. Sa sortie, je vais la brancher directement avec la LED. Sa sortie, elle va être branchée avec la LED. Là, je vais prendre la LED. Voilà, comme ça, elle est branchée correctement avec la LED. Normalement, je vais l'utiliser en suivant le circuit. Ça veut dire, si j'appuie ici, je vais donner la valeur 0. Ça veut dire que je vais brancher le ground. Je vais prendre le ground. Je vais brancher le VCC avec l'entrée de notre interrupteur. Ça, c'est le VCC. Et je vais porter le VCC vers... l'entrée de la porte logique. Là, vous voyez comment ça fonctionne. Ça veut dire, si j'appuie, qu'est-ce qui se passe? Le VCC, il va passer jusqu'à l'entrée de la porte. Et vous voyez, il va être inversé, ça va sortir la valeur 0. Le problème, c'est ça. C'est lorsque je lâche.
Lorsque je lâche, vous voyez la lampe qui est en train de clignoter. Pourquoi elle clignote? C'est très simple, ce phénomène on l'a déjà fait parce qu'elle travaille avec la valeur Z. Où est Z ici? Ça c'est pratiquement pourquoi j'ai fait cette expérience, je l'ai fait exprès, parce que pratiquement c'est un piège dont tout, par exemple, tous les débutants vont tomber sur ce piège. Lorsqu'on avait parlé au préalable, qu'est-ce que je disais? Je disais que lorsque je ferme, je passe la valeur 5, lorsque je relâche, je passe la valeur 0. Réellement, lorsque je relâche, je passe la valeur Z. Pourquoi? Si on voit bien le schéma, lorsque je lâche, je débranche les bornes et la borne, cette borne, elle reste flottante. Elle n'est branchée ni au positif ni au négatif. Si la borne, ça veut dire ce fil, maintenant il n'est pas branché ni au positif ni au négatif. Et s'il n'est pas branché, ça veut dire il est flottant. Vous allez voir, je vais vous prouver facilement. Si on veut l'enlever, la valeur flottante, je vais le brancher par exemple sur le 0. Vous allez voir, le signal va être... Voilà, le signal va être correct parce que ça c'est 0. Ça, ce n'est pas une valeur flottante. Par contre, si je le débranche, ça, c'est la valeur flottante. Et comme ça, il est branché dans la patte de l'interrupteur. Il est branché dans la patte de l'interrupteur. La patte de l'interrupteur, maintenant, l'interrupteur, il est ouvert et ce fil, maintenant, il est flottant. Alors, pour corriger ça, comment on va faire? C'est très simple. On a un Z ici. Le Z ici, il nous pose problème. Il nous pose problème pourquoi? Parce qu'il ne me donne pas la valeur V0 exacte. C'est une valeur flottante. Je dois l'enlever. Comment on va l'enlever? On va l'enlever avec les résistances, en utilisant les 0 faibles ou bien les 1 faibles. Ici, en comparaison avec la première expérience, ici, il faut bien comprendre. Au préalable, la LED fonctionnait très très bien, comme la lampe. La lampe, si je ferme, ça s'allume. Si j'ouvre le bouton, ça s'éteint. Mais la LED, comme la lampe, elle ne fonctionne pas au voltage. Elle fonctionne à l'ampérage. S'il y a un courant qui passe, ça veut dire qu'il y a un ampérage et elle s'allume. Et si j'ouvre l'interrupteur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ampérage et elle se ferme. Et ça, c'est ça la principale confusion. C'est que il ne faut pas confondre l'ampérage et le voltage. La lampe, la LED, elle fonctionne à l'ampérage. Ça ne dérange pas. Par contre, les circuits, ça, c'est dérangeant. Les circuits, la porte-note, pourquoi j'ai transformé et j'ai utilisé la porte-note? Parce que son entrée, elle ne fonctionne pas à l'ampérage. Son entrée, elle fonctionne au voltage. Maintenant, son entrée, elle fonctionne, elle suit le voltage. Elle ne suit pas l'ampérage. L'ampérage, je sais qu'il est zéro ici. Je sais qu'il est zéro. Mais le voltage, vous voyez qu'il est variable. Vous voyez, c'est visible. C'est complètement visible. Vous voyez que c'est variable. Et ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter une résistance qui va créer le 0 faible ou bien le 1 faible. On doit choisir ici. On doit choisir ou bien c'est 0 faible ou bien c'est 1 faible. C'est très simple de choisir. Cette borne, maintenant, je cherche le 0. Je dois créer une pull down. Je dois créer une résistance qui va me créer le 0 faible. Je vais prendre une résistance de 1 kg. Voilà, ça c'est une résistance de 1 kg. Je vais la pull down, ça veut dire que je vais la brancher au ground, à la ligne bleue, comme ceci. Et je vais la mettre dans l'entrée. Vous allez suivre le circuit. Je vais la mettre ici. Voilà. Et je viens d'enlever la valeur Z. Je viens d'enlever la valeur Z. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a sur ce circuit, sur ce fil, pardon? Qu'est-ce qu'il y a sur ce fil? Il y a la valeur 0 faible. Il y a 0 faible. Voilà, ça, on appelle ça une pull-down résistance. Cette résistance nous a permis de ramener le 0 faible ici. Si j'appuie, vous allez voir, ça fonctionne normalement. Voilà, c'est un inverseur, bien sûr. Si j'appuie, ça veut dire que j'ai passé le 1 volt et ça va inverser, ça va éteindre la lampe. Voilà, comme ça, ça fonctionne. Voilà, ça c'est la principale erreur que généralement les débutants tombent dedans. C'est que lorsque le bouton est ouvert, il suppose que c'est 0 volt, alors que c'est non. Et vous êtes obligé d'utiliser pour les trois types, pour tous les types. Lorsque vous avez un interrupteur
et vous êtes dans l'état où l'interrupteur est ouvert et ne passe pas le courant, s'il est ouvert, ça veut dire qu'il a un Z, il est en train de passer la valeur Z. Et vous êtes impérativement, vous êtes obligé d'utiliser une résistance ou bien pull up ou bien pull down, ça dépend. Ici on a utilisé pull down, pourquoi? Parce que ici lorsque c'est ouvert ici, lorsque ce n'est pas connecté, je suppose ça que c'est zéro. Alors j'utilise un zéro faible, j'ai utilisé une sortie zéro faible pour ramener le zéro ici. Si c'était l'inverse, j'aurais mis une pull up résistance. Voilà, ça c'est le principe. Ça veut dire, si vous devrez un jour utiliser des interrupteurs comme entrée pour des circuits, vous êtes obligé d'ajouter les résistances pull-up ou bien pull-down. La même chose, vous observez par exemple, ici il y en a 8 entrées. Vous devrez utiliser 8 résistances. 8 résistances pour chaque entrée. Ça dépend, pull-up ou bien pull-down. Ça dépend ce que vous voulez entrer. Ça dépendra de ce que vous voulez entrer. Voilà, ça c'est pour l'expérimentation.